Mais c'est un message que nous partageons tous. Le constat est le même. Tous les secteurs de la vie économique et sociale sont rouges. Je pense qu'il urge pour les responsables politiques, pour ne pas dire les hommes politiques de ce pays, surtout imprégnés des valeurs de gauche, de faire face et de pouvoir trouver des solutions idoines aux problèmes des Sénégalais. C'est ça la politique. Je pense qu'il a fait un diagnostic sans complaisance sur les différents secteurs importants qui portent l'économie. Au-delà du diagnostic, il a préconisé des solutions. Et si nous voulons promouvoir le développement, asseoir un développement, il faut surtout investir sur le potentiel, le capital humain. Et il a dit, on ne peut rien faire sans le capital humain. Le Sénégal dispose de ressources humaines de qualité dans tous les secteurs de la vie. Tout ce qui doit se faire avec ces populations, pour ces populations. Le moment, le temps ou l'époque de faire appel à une certaine expertise internationale est révolue. Les Sénégalais de Sénégal, comme de la diaspora, sont pétris de qualité, sont des experts dans tous les différents domaines. Il faut faire confiance à ces Sénégalais de tous bords pour qu'ils viennent faire le développement de ce pays. Personne ne fera le développement à notre place. Et c'est pourquoi j'ai été agréablement satisfait, content du diagnostic fait par Khalifa Sall. Ça montre que c'est un homme, un grand homme. C'est un homme d'une grande dimension. C'est un homme d'État. C'est un homme visionnaire. C'est un homme qui a une grande ambition pour ce pays. Et je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais qui en doutaient sont convaincus de la posture et du profil de Khalifa Sall. C'est un homme d'État. Que Dieu le préserve et le garde et qu'il reste encore longtemps parmi nous. Et qu'il continue à nous abreuver de ses belles paroles, mais surtout de ses messages très forts, qui, j'en suis sûr, feront le décollage de notre pays.